Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors, pendant ces vacances d'été, je vais vous raconter quelques histoires et contes. C'est la petite poule rouge. C'est la petite poule rouge. Voici la poule rouge avec ses poussins qui travaillent bien. Et les autres animaux, comme ici, il y a la volaille, il y a le dindon et le canard qui s'endorment ici, qui sont paresseux. Alors la petite poule rouge porte une morale. On va comprendre qui est donc cette morale. Alors la petite poule rouge, la petite poule rouge grattait dans la cour. Suivez avec moi s'il vous plaît, écoutez bien. Quand elle trouva un grain de blé, qu'est-ce qui va semer ce blé? Dit-elle. Pas moi, dit le dindon, ni moi, dit le canard. Ce sera donc moi, dit la petite poule rouge, et elle sema le grain de blé. Quand le blé fut mûr, elle dit, qu'est-ce qui va porter ce grain au moulin? Pas moi, dit le dindon, ni moi, dit le canard. Alors, je le porterai, dit la petite poule rouge, et elle porta le grain au moulin. Quand le blé fut moulu, elle dit, qu'est-ce qui va faire du pain avec cette farine? Pas moi, dit le dindon, ni moi, dit le canard. Oh, je le ferai alors, dit la petite poule rouge. Et elle fit et du pain avec la farine. Quand le pain fait cuit, elle dit, qu'est-ce qui va manger ce pain alors? Moi, crie le dindon. Moi, crie le canard. Non, pas vous, dit la petite poule rouge. Moi et mes poussins, nous le mangerons. Venez, mes chéris. Voilà. Alors, celui qui travaille bien, il va réussir, bien sûr, à la fin. Et les autres qui s'endorment, qui sont paresseux, bien sûr, ils ne trouvent rien du tout. Voilà. Alors, voici, c'est ça ce qu'on appelle la morale de ce conte. Alors, j'espère que ce conte, la petite poule rouge, vous a plu. Attendez, bien sûr, les autres contes dans les prochaines vidéos. Ici sur votre chaîne Je Communique TV sur YouTube. Bah.